Ladies and gentlemen, bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan. Et je me rends compte que depuis un certain temps, j'ai la fâcheuse habitude de vous faire une sorte de point météo à chaque entrée ou sortie de journal. Et pourtant, c'est pas ce qui nous réunit ici, donc je vais m'abstenir. Mais bon, je pense que c'est une manière de briser la glace, un peu ce qu'on appelle le small talk, avant d'attaquer vraiment les choses sérieuses. Bah alors, on va arrêter là et on commence donc les choses sérieuses tout de suite. Je suis en train de faire bouillir de l'eau pour préparer des pâtes, parce que est-ce qu'il y a de bonnes raisons ou des mauvaises raisons de manger des pâtes, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, j'ai envie de tester un produit qui m'intrigue beaucoup, que voici le pesto vegan de pistache de chez Koro. Alors déjà, les pestos de chez Koro, je les aime beaucoup. Hein. Le pesto verdé, j'en reprends à chaque commande. Le pesto rosso a moins mon affection, mais il est très bon, il est très bien fait. J'en prends régulièrement aussi. Mais c'est moins obligatoire que le pesto verdé basilic classique, à mon sens. Et là, la dernière fois, je suis tombé là-dessus, quoi. Ce truc de fou. Un pesto à la pistache. Alors, voyons un petit peu la composition. Alors en français c'est où? Voilà. On a quand même 60% de pistache, ce qui n'est pas rien. Sinon, c'est une base d'huile de tournesol, du sel, du sucre, du poivre noir. Voilà. C'est tout. Donc en gros, c'est une sorte de pâte de pistache, un peu grasse, qui risque de faire une très bonne sauce. Mais il n'y a pas de basilic dedans, hein, c'est pas un hybride. Donc j'ai hâte, donc pour les goûter et en parler, il fallait faire des pâtes. Donc j'y retourne. Bon, pour mener à bien ce test, j'ai décidé de faire des fusilli parce que c'est comme une pâte qui, par sa spirale, accroche vraiment particulièrement bien les sauces. Et là, c'est ce qu'on veut. On veut mettre en avant la sauce. Bon, au fond, c'est un peu de tofu fumé parce que c'est bon. À travers le pot, je vois quand même qu'il y a une petite séparation de masse. Donc, je vais bien le secouer et le mélanger parce que je pense qu'il doit y avoir la pistache d'un côté et l'huile de l'autre. Donc, bon, ce qui n'est pas grave du tout. Il ne faut juste pas se faire avoir et verser le pot directement. Allez, c'est parti. Effectivement, je pense que c'est un peu liquide. Ah oui, la matière elle est au fond. Très belle couleur de pistache. Ça a l'air vraiment sympa. Mais il faut bien mélanger. Mais ça va. C'est pas trop déphasé. Ok. Bon alors. Voyons un peu. Ça sent la pistache. La pistache authentique, pas la pistache torréfiée ou quoi que ce soit. Plutôt bien. Oh, il est beau. Une belle texture assez fluide. Donc ça va bien se mélanger aux pâtes. La question que je me pose, c'est pour 250 g de pâtes, combien j'en mets? Parce qu'il y a comme un pot à 190 g, ça me paraît beaucoup. Je vais commencer par la moitié pour voir si ça suffit pour bien couvrir l'ensemble. Allez. Magnifique. Voyons. On va mélanger ça gentiment. Ah, c'est un bon choix pour les pâtes, ça accroche bien tout de suite. Ah, je pense qu'on met tout le pot. Hein. Non, je vais aller jusqu'au bout de l'expérience. Voilà, là c'est correctement nappé, c'est bien réparti. Et on n'est pas sur un plat saucé, huileux. Hein. C'est vraiment la pâte qui s'est enrobée avec ce pesto de pistache. Ça s'annonce super bien. Et là je me rends compte que je ne l'ai même pas goûté tel quel. Donc le temps que ça se finisse de se préparer, je vais lécher simplement la fourchette, ça me donnera un avant-goût. C'est bon. La pistache est là. Le côté gras est super agréable. C'est pas trop. Bon équilibre sur le sel, le poivre. Un peu de sucrosité légère, mais pas. C'est pas sweet. Ça a du caractère. J'aime bien. C'est l'heure de vérité. Allons-y. Alors je vais prendre 100 tofu. Très très bon, c'est assez atypique,
Parce que visuellement, j'ai l'impression d'avoir un pesto classique, un pesto verdé, basilic. Alors qu'en goût, ça n'a rien à voir. C'est riche, c'est intense. On sent vraiment le caractère de la pistache qui est assez inimitable, faut bien l'avouer. La qualité est au rendez-vous, la pâte est bien nourrie, elle a ce côté gras que j'aime bien. Pas besoin de rajouter de l'huile à la fin, c'est déjà suffisamment gras, sans être huileux, hein, j'insiste bien là-dessus. Donc ça fonctionne. Donc là, je suis très content de cet achat, parce que ouais, j'aime les pâtes. Et qui dit pâte, dit bonne sauce. Donc avoir des bonnes sauces toutes faites comme ça, quand on n'est pas trop inspiré, bah, ça fait plaisir. Mais ça peut être aussi une bonne base de réflexion pour faire autre chose. Je pense que un pesto à la pistache comme ça, monté dans une vinaigrette sur une salade, ça peut être excellent. Il y a des choses à explorer, je pense. En tout cas, je suis content de mon expérience. Et si vous aussi, vous avez envie de goûter ce pesto à la pistache de chez Koro, eh bien, il suffit d'aller sur le site de Koro. Et tant qu'à faire, utilisez mon petit code de réduction, moins 5% avec le code magique Sébastien Cardinal. Voilà, n'hésitez pas. Parmi les nouveaux documentaires que propose Netflix, il y a une mini-série sur laquelle je suis tombé qui s'intitule « Voyage aux confins de l'esprit ». Et cette mini-série, constituée en 4 parties, traite de substances psychédéliques et retrace l'histoire de substances très connues et leurs effets sur l'état d'esprit des gens et sur un point de vue plutôt médical. En quoi la consommation de certaines substances a pu aider des gens à se sortir d'effets traumatiques ou même de guérir de certaines pathologies. Donc on est clairement sur quelque chose qui explore des choses comme le LSD, les champignons, le peyote ou la MDMA dans un but scientifique uniquement et en aucun cas récréatif. Donc c'est toute la différence. Quand on dit souvent que c'est la dose qui fait le poison, ici, ils remettent un petit peu les choses à leur place en expliquant que la majorité de ces substances ont été découvertes par hasard, mais elles ont été étudiées à la base par les laboratoires et par des chercheurs pour voir si on pouvait soigner des gens avec. Et je ne vais pas vous faire toute la série parce que c'est plus un côté historique intéressant, c'est de voir que ce qu'on a appelé la guerre des drogues a débuté avec la découverte, clairement, des substances psychédéliques et de leur usage un peu plus généralisé pendant une période. Donc, c'est très très intéressant de voir comme quoi, en interdisant, en pénalisant certaines substances pour éviter qu'elle soit récréative et qu'elle détourne la population de ses devoirs, on en a fait quelque chose de justement récréatif et d'attractif parce que interdit, tout en coupant les ailes à toute la partie scientifique et probante. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que dans la majorité des cas, ils ont réussi à avoir beaucoup d'études prouvant que dans un certain contrôle, avec certains dosages, on avait des effets très positifs. Et tout ça a été balayé d'un revers de la main et complètement mis au placard. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps. C'est vrai que j'avais vu un reportage il n'y a pas très longtemps non plus sur une clinique en Suisse qui a repris à son compte les études du LSD pour soigner au sein de thérapies psychédéliques des malades qui ont des problèmes et qui ont besoin effectivement d'un certain soutien et ils en mesurent les effets. C'est très intéressant et je pense que ça peut aider à avoir une nouvelle perspective sur l'usage de ce type de produit dans un cadre très précis. Donc, si vous êtes ouvert d'esprit, que vous avez envie de découvrir un petit peu ce qu'il en est, c'est un documentaire qui me paraît assez éclairant et intelligent. Il n'est pas du tout incitatif à prendre des substances, mais plutôt à changer notre regard sur qu'est-ce que c'est à la base et qu'est-ce que ça pourrait être si on en avait un usage intelligent. Donc voilà. Ah les amis, j'ai faim, donc je vais me mettre en cuisine, mais je vais partager ma petite idée avec vous. Alors,
en passant dans mon Monoprix, je suis tombé sur ça. Ce sont des tomates cerises qui ont leur peau, qui sont donc entières, mais qui sont déjà cuites. Et ça, pour faire des sauces, au lieu de prendre une simple pulpe de tomate, bah, ça apporte encore plus de sucrosité, ce genre de choses. Et c'est assez difficile d'en trouver. Et là, j'étais très content de tomber dessus, je me dis, ah bah pourquoi pas. Mais après, qu'est-ce que je vais en faire? Juste mettre ça sur des pâtes? Non, c'est bon, on a déjà mangé des pâtes cette semaine. Non, par contre, je me suis dit, et si je faisais une bruschetta? Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une bruschetta, je vous pardonne, enfin c'est très simple, c'est un peu un hybride entre le toast et la pizza. Donc, pour ce faire, soit vous trouvez des supports à bruschetta qui se vendent dans le commerce, j'en ai déjà montré dans mes vidéos, soit vous trouvez un boulanger qui fait de très belles grosses tranches de pain avec une mie bien serrée. Et là, on est bien, on est bien. Donc, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui, un pain au levain qui a l'air magnifique et qui va se prêter parfaitement à l'exercice. Bon, bah visuellement, je suis assez satisfait. Maintenant, je vais quand même utiliser un couteau et une fourchette de manière civilisée pour découper un petit morceau parce que ça ne tient même pas dans l'assiette, tellement la tranche est large. Ouh là là. Voyons. Bah voilà. On est sur une recette qui est très lisible en bouche, on comprend bien tous les ingrédients qui se superposent. On est sur quelque chose qui est facile, rapide à réaliser franchement, et le résultat est probant. On a beaucoup de saveurs, mais encore une fois, rien de très compliqué, juste du bon goût. J'avoue que la tomate cerise comme base de sauce tomate comme ça, ça a son petit charme, ça apporte quelque chose de plus. Le pain, c'est un peu sur lui tout repose, sans mauvais jeu de mots. Et là, avoir un bon pain au levain avec cette mie, avec une alvéole bien serrée, ça a permis de faire en sorte qu'il ne boive pas trop la sauce et pas se détremper surtout. Donc, il garde ce côté moelleux et tendre à cœur. Et sur les côtés, on a le côté crunchy de la croûte. Donc, impeccable. C'était le bon plan. Et c'est meilleur, franchement, que les bruschetta industrielles qu'on trouve en sachet, que j'aime bien, mais c'est très neutre. Là, on a un peu plus de caractère et c'est chouette.
pareil, hein, les légumes pré-cuits, champignons et poivrons simples, les petites olives sauvages. Alors attention, parce qu'on ne peut pas retirer le noyau, donc pas se mordre dedans, ce serait quand même idiot. J'ai rajouté un peu de levure maltée parce que quand même, le fromage végétal que j'ai utilisé n'a pas beaucoup de saveur, pas beaucoup de caractère. Il fait le boulot, certes, mais voilà, j'avais envie de donner un petit peu plus d'élan et c'est ce que ça donne. Voilà, donc encore une fois, simple, efficace, je suis très content et voilà, mission accomplie. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire part de ce que j'appellerais un bon plan pour ceux qui ont envie d'apprendre, d'avoir de nouvelles compétences en créativité et qui ont envie de se former gratuitement ou moins de s'initier. Bon, ok, je sais, je suis un fan d'Apple, ce n'est pas un secret, j'adore leurs produits, leur écosystème et la philosophie qui va derrière, mais là, c'est pas réservé aux gens qui sont justement fans ou même qui possèdent du matériel Apple. Il se trouve que Apple propose gratuitement des formations dans les Apple Store et c'est un programme qui s'appelle Today at Apple. Et donc, si vous allez sur le site que je vous mets en lien, vous allez découvrir que vous pouvez être formé à certains logiciels sur des techniques autant sur la photo, la vidéo, le dessin, la musique et même le développement. Il y en a pour tous les goûts, même pour tous les âges. Il y a des ateliers aussi pour les enfants, ce qui ne me concerne absolument pas. Mais je vous dis tout ça simplement parce que cette semaine, j'ai participé à un atelier qui était finalement comment créer un podcast. Chose que, bon, ok, j'ai dans un coin de ma tête depuis un certain temps, je ne sais pas trop comment prendre le problème, par quel bout, est-ce que je m'y mets, est-ce que je m'y mets pas, je sais pas. Je ne vous fais pas de fausses promesses, on verra bien ce qu'il arrive. Mais en attendant, avant même de vouloir concevoir quelque chose, j'avais envie de voir si la production en termes d'outils avec ce que je possède, est-ce que je peux faire déjà des choses bien, est-ce que c'est facile à prendre en main, est-ce que c'est pas une prise de tête. Eh bien, pendant une heure, donc à l'Apple Store, on m'a appris à me servir d'un outil qui est déjà gratuit sur Mac, qui s'appelle GarageBand, qui est normalement un logiciel fait pour faire de la composition musicale, mais qui a des outils studio pour enregistrer de la voix et faire du podcast intégré. Donc, j'ai appris énormément de choses. J'ai compris que c'était pas si compliqué, que les outils étaient très ergonomiques, ça m'a beaucoup plu, donc ça m'a un peu motivé. Mais encore une fois, je vous dis, je ne vous fais pas de promesses, on verra bien ce qu'il arrive. En tout cas, pendant une heure, j'ai eu un formateur de chez Apple qui m'a expliqué exactement tout ce dont j'avais besoin pour pouvoir démarrer. Bien sûr, c'était que les bases, mais elles sont largement suffisantes pour se dire, allez, j'y vais, si on veut y aller. Alors bien sûr, hein, ne soyons pas innocents. L'idée derrière, c'est forcément de donner envie aux gens d'utiliser des produits Apple. Hein. On va pas se voiler la face. C'est une manière d'accompagner les gens, certes, et de leur donner effectivement des outils pour la créativité, certes. Mais c'est aussi une manière de dire, regardez comme on a des bons produits faciles à utiliser et que, voilà, hein, vous trouverez pas ça ailleurs de la même manière. Ce qui n'est pas faux non plus. Donc, si vous avez envie de vous initier et que vous n'avez pas de matériel Apple et que vous avez envie de tester pour voir la différence, ça peut être aussi une idée, pourquoi pas. Sachez que vous n'êtes pas tenu de venir avec votre propre matériel. Pendant ces sessions, vous sont prêtés soit un Mac, soit un iPad, soit un iPhone, selon le sujet. Et il y a un accompagnement qui est vraiment, je trouve, très pédagogique et qui s'adresse à tous. Selon les sessions, il y aura plus ou moins de monde. Ce sont souvent des petits groupes, une dizaine de personnes. Bon, honnêtement, moi, pour le podcast, j'étais tout seul. Donc, j'ai eu un cours privé, très, très privilégié. Mais sinon, j'en ai déjà fait par le passé sur des sujets comme comment filmer de manière cinématographique avec un iPhone, comment faire du montage sur iMovie, comment faire de la photo en prenant en compte, en fait, les outils d'un smartphone. Et ça, c'est
assez facile de retranscrire sur d'autres appareils, hein. C'est pas forcément lié à l'iPhone, quoique peut-être sur certaines fonctions, je connais pas bien le monde Android, mais à chaque fois j'en suis sorti assez enrichi avec des trucs, me dire ah ouais, ça c'est une bonne idée, c'est une bonne manière de faire, et ça peut être super intéressant de les mettre en application dans le cadre d'un projet. Donc voilà, moi je vous incite vraiment, si vous avez du temps, à aller sur ce site, regarder l'Apple Store qui vous convient, voir quel programme qui est disponible, les sujets, parce que ça bouge tout le temps. Il y a des sessions à différents horaires, c'est assez pratique. Ça se réserve en ligne, et une fois que vous avez réservé, le jour même, vous pointez dans l'Apple Store, vous montrez votre petit mail de confirmation, et c'est parti. Voilà, donc c'est gratuit, ça n'engage strictement à rien, et on en ressort souvent moins bête que quand on est arrivé. La semaine dernière, je vous parlais des quelques trouvailles que j'avais faites chez Lidl pendant la semaine vegan. Et je me suis dit, tiens, et si j'allais voir chez Aldi, qui est quand même l'autre référence du magasin Hard Discount, voir est-ce qu'ils ont évolué, est-ce qu'ils proposent des choses, parce que j'y suis allé une ou deux fois, j'avais trouvé deux, trois bricoles, mais rien de très fou. Et là, j'ai trouvé un truc, donc je l'ai acheté. Alors, qu'ai-je donc trouvé au rayon frais, côté rayon traiteur, etc. Eh bien, ceci. Voilà. Simplement bon et bio, qui est donc une gamme naturelle de chez Aldi. Et il propose ses saucisses de tofu aux fines herbes. Bon, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. On est sur un petit paquet où on nous dit que ça contient 7 unités. Donc, j'imagine que ce sont des toutes petites saucisses qui vont faire une bande. Je ne l'ai pas ouvert, je ne triche pas. Et ce qui m'intéresse forcément, c'est est-ce que le taux de protéines est intéressant pour un simili carné ou est-ce qu'on est sur une coquille vide? Donc découvrons ça. Alors, le tableau nutritionnel, le voici. Oh, quand même! On est à 27 grammes de protéines pour 100 grammes, sachant que voilà, on a 175 grammes de saucisses dans un paquet. Donc c'est plutôt pas mal. Hein, par contre, oui, je reviens toujours sur cette histoire de nombre impair. 175 grammes, 7 saucisses. Ça aurait été difficile de monter à 8 et faire peut-être 200 grammes. Enfin, je sais pas combien pèse à l'unité la petite saucisse, mais quand même, quoi. Enfin, bref. Je vais donc regarder ça avec vous, hein, tout de suite, sans chichi. Voilà. Ah bah oui, hein, comme prévu, hein. C'est un 7 petites saucisses. Ouais, en plus, il y a la place pour mettre une 8e, là. Ah, ils abusent quand même. Ok, et bah je vais les faire cuire à la poêle, hein, et puis on va goûter. Bon, je vais chauffer ma poêle avec un peu d'huile, mais je reviens juste sur un point qui est toujours surprenant, c'est justement voir des produits hard discount, hein, donc qui sont censés être très peu chers, donc coûter peu cher en production, toujours avoir des logos qui sont payants, hein, ne l'oublions pas, on a quand même un logo vegan officiel, on a un logo bio qui est juste là, le AB, c'est pas gratuit. Et je suis toujours un peu surpris de voir justement ce type de produit dans ce genre d'enseigne quand même payer des labels pour être certifié et rassurer le consommateur. Comme quoi, il y a quand même un soin, hein, et tout n'est pas bon que pour faire de l'argent. Bon, même si finalement, en rassurant le consommateur, ils font de l'argent, puisqu'on achète, on est en confiance. Mais je trouve que l'intention est louable à la base. Allez, l'huile est chaude, on y va. Ok, nous y voilà donc, la cuisson est assez rapide, alors ça a une bonne tête, hein, honnêtement, mais je remarque quand même qu'elles sont assez poreuses, elles attachent assez facilement, bon là j'ai pas eu de problème, mais on voit que la surface est fragile et que pour les travailler, les cuire correctement, les saisir, bah faut faire attention. J'aurais préféré quelque chose un peu plus lisse, on voit qu'il y a un grain, hein, c'est poreux. Qui dit pour eux, dit bonne absorption de sauce. Donc ça, c'est à réfléchir. Goûtons à présent. C'est pas mal. C'est pas fou, mais c'est pas mal.
On a vraiment quelque chose de bien assaisonné avec ce qu'il faut d'épices. Je sens pas le côté herbe de Provence parce qu'il y a beaucoup de petites saveurs comme ça. Donc c'est plutôt plaisant en bouche. C'est assez simple. Donc ça s'accommodera à n'importe quel plat. Hein, on pourra l'intégrer parce que ça n'a pas un caractère énorme. Mais c'est loin d'être fade. Niveau texture, en revanche, on est sur un produit qui a une mâche, curieusement, qui fait un hybride entre la saucisse et le nugget. Un peu bizarre. C'est pas désagréable. Hein. Mais il y a du grain, il y a quelque chose qui se détache sous la dent. Et pas comme une saucisse italienne. Hein. C'est pas ce côté... on sent un agglomérat de petits morceaux et de gras. Non, on n'est pas du tout là-dedans. On est sur quelque chose qui est très hybride. Je pense plus à une texture de nuggets. C'est quand même fou. Mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. En fait, très clairement, ça me fait penser à ces vieilles saucisses de soja des années 90. Même un peu avant. On est sur quelque chose qui fonctionne, qui bouleverse pas le jeu des simili carnets, qui a un côté un petit peu rétro, sans être forcément poussiéreux. Hein. Encore une fois, c'est bon. Et surtout, on est quand même sur un prix à moins de 2 euros. Donc c'est très accessible, même pour les gens qui ont des revenus très modestes. Donc c'est excellent de se dire que des magasins comme Aldi propose des choses véganes, pour le coup certifiées, et que tout le monde peut facilement y avoir accès. Bon, faut-il encore avoir un Aldi chez soi, pas loin, et que les produits soient dispo. Mais contrairement à Lidl, Aldi propose toute l'année une gamme de produits véganes, et c'est plutôt louable. Donc, je dis pas que j'en rachèterai pas, honnêtement, parce que, certes, là, je fais un test et je compare à ce qu'on connaît aujourd'hui, à des choses plus contemporaines, peut-être plus réalistes. Mais le produit est bon. Il a du goût, il a une mâche. Et ok, c'est pas les meilleures saucisses du monde, mais en attendant, ça fait le boulot et j'ai plutôt du plaisir à la dégustation et non pas un rejet. Donc, je valide. C'est pas la première fois que je vous propose de découvrir une chaîne YouTube qui ne fait que de la musique et principalement des musiques d'ambiance. Et j'avoue que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, pour peu que la qualité soit au rendez-vous. Et là, c'est super intéressant comme concept parce que on n'est clairement pas sur de la musique qui a été conçue par des dauphins extraterrestres pour ouvrir vos chakras à certaines mesure d'onde cérébrale. Non, pas du tout. On n'est pas sur des musiques de méditation, on n'est pas sur la musique électronique un peu cyber comme je vous avais parlé, que j'adore, que j'utilise au quotidien. Non, pas du tout. Là, on est sur une chaîne qui utilise des sons ultra rétro pour créer des ambiances, ben, ma foi, originales et plutôt efficaces. Cette chaîne, c'est Nemo's Dreamscape. Alors, il va utiliser des sons, des musiques, des morceaux hein, des années 30, 40, 50 et les bidouiller d'une certaine manière pour que ça fasse une sorte d'arrière-plan que l'on entend, mais qui a l'air d'être vraiment déjà une musique d'ambiance dans la vidéo. Et au-delà de ça, il va rajouter des nappes style la pluie, très classique, l'orage, mais aussi pourquoi pas le bruit du train, ce genre de choses. Donc on a un univers sonore qui est tout à fait particulier, avec souvent ce bruit qui est devant et derrière on a la musique. Ça c'est une conception que je trouve très intéressante, une sorte de quasiment de 3D auditive. Alors bon, c'est pas une technologie de 3D auditive, hein, mais on a comme deux niveaux de lecture au niveau de l'oreille et c'est efficace. Alors bon, souvent c'est tagué ASMR, etc. Je sais pas ce qu'il en est. Hein. Honnêtement, moi je suis toujours très dubitatif sur ce concept. Mais le fait est que
il y a un soin à porter et je trouve que l'équilibre justement entre les musiques, les effets et les bruitages font que moi je rentre dedans et je trouve ça aussi atypique que charmant. Et c'est pas sans me rappeler quelque chose. En fait, je fus quand même un gros amateur de jeux vidéo. Et parmi les grands noms, les licences de jeux qui m'ont fait le plus vibrer, il y en a deux, très connues. Hein. Il y en a une qui s'appelle Fallout et une autre qui s'appelle BioShock. Alors BioShock, on est sur une sorte d'Uchronie où on est sur une ville sous-marine avec côté rétro-futuriste. Enfin bon, c'est tout un univers extrêmement prenant, très construit, très riche, très dense. Et quand on se balade dans cette cité sous-marine, on a effectivement les bruits d'ambiance. Et parfois, on a ces musiques au loin qui rappellent qu'il y a eu une vraie vie dans cet endroit avec des gens qui s'amusaient, tout simplement. Dans l'autre jeu, Fallout, qui est vraiment aussi dans le trip rétro-futuriste post-nucléaire, on est sur un design années 50 en permanence, sauf que voilà, c'est l'histoire finalement d'un héros qui sort d'un abri anti-atomique et qui doit aller chercher à la base un épurateur d'eau pour que survive sa communauté, et il va découvrir ce qu'il y a à l'extérieur. Et donc tout le jeu est ponctué de musique rétro, très années 50-40, qui font un charme particulier avec ces grésillements et tout ça. Bref, voilà, ça c'est mes petits trucs qui m'ont fait « Ah ouais, j'ai aimé ces jeux » et en écoutant ces bandes-son, bah, je retrouve un peu cette ambiance qui m'a tant plu et qui a tellement contribué à me faire voyager. Donc voilà, c'était juste le partage de la semaine. Si vous êtes sensible à ce genre d'esthétique sonore, je pense que ça va beaucoup, beaucoup vous plaire. Eh bien les amis, nous sommes de retour chez Brice Pigalle parce que aujourd'hui c'est brunch. Et oui, et le nouveau brunch, on l'a jamais testé, donc aujourd'hui c'est l'occasion. Et j'ai hâte de découvrir ce que ça va donner, est-ce qu'il y a une touche asiatique comme le reste de la carte. J'ai pas lu, voilà, je viens en aveugle et on va tester ça immédiatement. Alors comme bien souvent, le jour où Brice propose un brunch, il ne propose que ça parce que sinon c'est ingérable. Donc c'est un menu imposé mais qui a l'air bien sympathique et vous avez quand même le droit de choisir entre différentes boissons chaudes, chocolat, café, thé, avec les différentes possibilités qui vont derrière, donc à voir. Ensuite, vous avez la possibilité aussi de prendre le cocktail spécial brunch. C'est ce que j'ai choisi de prendre et ça s'annonce plutôt intéressant hein, comme association de goût, mais on va en reparler après. Alors selon si vous avez choisi le brunch avec le cocktail, eh bien vous aurez un bubble tea d'une différente taille. Moi j'ai pris cocktail, donc j'ai un petit bubble tea et Laura elle a pris juste une boisson chaude, donc elle a un grand bubble tea. Voilà. Allez, entamons les hostilités avec ce cocktail à base de gin et de shiso. C'est assez vif, hein. Il y a une petite acidité là qui vient réveiller les papilles. C'est très équilibré, mais avec un vrai caractère. Délicieux. En même temps, les cocktails de Rico, moi généralement je suis client. Hein. Je ne suis pas fan de cocktails généralement, mais quand il fait quelque chose, généralement j'adhère. J'avoue. Je vais ouvrir la dégustation avec un gazpacho tomate poivron. Voilà, il est bien rouge, légèrement orangé comme ça, c'est les petites graines de nigel. C'est délicieux.
C'est difficile d'avoir un bon gazpacho, je trouve, parce que souvent, c'est un peu flotteux. Là, il est épais, il est capiteux. Il y a vraiment de la matière, beaucoup de profondeur, bon équilibre sur la touche d'acidité qui est nécessaire dans un bon gazpacho, parfaitement équilibré sur les épices, l'ail. C'est très bien, c'est très très bien. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé un gazpacho d'ailleurs. Donc je suis assez content parce que, comme je l'ai dit, quand c'est bien fait, c'est délicieux. Et là, c'est délicieux. Voyons à présent ces pommes de terre qui sont très belles avec une mayonnaise végétale au wasabi. Et oui. C'est bon. Le wasabi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on appelle un peu vulgairement la moutarde japonaise. Effectivement, ça a ce côté qui prend un petit peu au niveau des sinus parce que c'est assez puissant. Mais on n'est quand même pas sur les mêmes saveurs que la moutarde. On a un condiment puissant qui est une petite chaux. Là, c'est très équilibré avec le côté gourmand, gras de la mayonnaise. Pas trop fort, mais avec beaucoup de saveurs. Et donc avec la pomme de terre qui est parfaitement cuite. Voilà, c'est bien, c'est très bien. On continue le fameux bao. Alors là, c'est super beau, très verdoyant. Je pense que ce sont des morceaux de seitan pané avec de l'aubergine. Je vois qu'il y a des pickles d'oignons. On dirait un pesto visuellement, je ne sais pas si c'en est. Hein. Donc, allez, découverte. Et là, le petit pain est bien, bien fluff. Ah ouais, ça envoie. C'est très très bon. Très délicat dans ses saveurs. Assez gourmand. L'aubergine est très fondante. C'est bien du seitan. C'est en maison ici. Hein. Il est croustillant sur l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Ah là, le petit pesto là. Il est délicieux. C'est très très bon. C'est très très bon. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Bon, après ce plat délicieux, je vais passer à mon bubble tea. Voilà. Ah, les perles de tapioca sont très bien cuites. Vraiment ce goût de fraise qui remonte. C'est très frais. Mais comme toujours, hein, le bubble tea, c'est nourrissant. Donc, heureusement, c'est pas un bubble tea lacté. Parce que sinon, après un repas comme ça, et c'est pas fini, ça aurait un peu plombé. Là, le côté fruit, c'était la bonne option. Là, c'est mon café liégeois, en toute simplicité, avec cette chantilly généreuse. Vraiment, vraiment délicieuse. Bon, je la connais leur chantilly, hein. Mais ça se confirme, ça se confirme. C'est toujours aussi bon. Passons enfin au dernier mets de ce brunch, à savoir un gâteau marbré, chocolat noir et yuzu, avec un chocolat au lait en couverture, chocolat vegan bien sûr, et une petite crème, je sais pas à quoi elle est. On va goûter ça tout de suite. Ça a l'air très beau. Très bon, c'est un beau marbré hein, en tout cas. Oh, on sent bien le yuzu. Hein. Là, le genre de cake un peu humide comme ça, avec ce petit grain qui se détache sous la dent. Une belle cuisson, beaucoup de goût. Le papy brossard, il peut aller se brosser. Très satisfaisant. Je trouve que pour finir un repas qui est déjà assez riche, c'est plutôt bien. Je préfère ça à un truc un peu trop avec de la crème pâtissière, un truc un peu lourd. Genre. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Bon, conclusion de ce brunch, bah, c'est excellent. Ce qui n'est pas une surprise, c'est comme je le dis, plus une confirmation. Le changement d'état d'esprit du Brice Pigalle aurait pu donner quelque chose d'inquiétant, alors que pas du tout. Pas du tout. On est sur le même esprit avec un autre type de cuisine, une inspiration asiatique, certes,
mais pas dans la caricature. On reste quand même sur une fusion avec beaucoup d'élégance comme on aime ici, donc aucun problème. Je vous engage d'ailleurs vivement à réserver votre brunch, parce que oui, c'est sur réservation, sinon là c'était plein aujourd'hui, donc ne vous faites pas avoir. Bon, par contre, soyons clairs, ce sera pour septembre. Hein, voilà, ils vont se reposer un petit peu, ils l'ont bien mérité. Et donc, n'hésitez pas à partir de septembre à prendre un petit rendez-vous brunch entre amis chez Brice Pigalle. Et ben voilà les amis, la semaine s'achève, donc maintenant il va falloir attaquer la prochaine. On a dépassé la moitié du mois d'août, donc l'automne approche et ça me réjouit. Et d'ailleurs, j'en remarque en me levant le matin que les matinées sont plus sombres. Alors je sais, il y en a que ça déprime, moi ça me réjouit, oui vraiment, sincèrement. D'ailleurs, en parlant d'automne, sachez que je serai au Veggie World de Paris du mois d'octobre. Je serai le dimanche 2 octobre sur place pour une démo culinaire plus dédicace, enfin la totale. Donc notez bien dans vos petits agendas, si vous comptez venir au Veggie World pour me voir, c'est le dimanche que ça se passe. Voilà, sur ce, j'espère que vous vous portez bien, vous avez passé une excellente semaine et que la prochaine sera aussi bonne. Prenez soin de vous, lâchez-moi des pouces. N'oubliez pas d'abonner si vous n'êtes pas encore abonné, c'est bien, d'activer la cloche aussi, c'est mieux. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Tchuss !